Alors Paul, comment t'as abordé un petit peu ce match de Coupe de France? Bah bien, c'est un match en plus à jouer pour moi. Donc voilà, Coupe de France est un peu particulier, donc c'est bien. Comment ça se passe avant le match? Tu as une préparation avec un entraîneur spécifique? Tu nous racontes? Ouais, si, l'échauffement tu fais avec l'entraîneur des gardiens. Et après c'est surtout dans la tête, il faut se préparer mentalement. Quand tu rentres dans ce match aujourd'hui, à quoi tu penses par exemple? À faire mon taf, à faire mon boulot. C'est important de faire un bon match, de rassurer les coéquipiers et surtout c'était de passer quoi, déjà ce premier tour. Il y a eu quelques moments chauds aussi dans ta cage là, en première mi-temps, comment t'as vécu ça? Ouais, bah ça c'est. Ça fait partie du charme de la Coupe de France, hein, mais bon, c'est bien passé, on n'a pas pris de but. Tu veux juste sortir le ballon, voilà, tu veux pas prendre le but, donc... C'est de l'appréhension ou de l'adrénaline un petit peu? L'adrénaline. L'adrénaline? Ouais. Comment tu peux expliquer ça? Ouais, ben c'est toujours... Il y a un joueur qui est en face de toi, ben... T'as juste envie de sortir le ballon et qu'on t'applaudisse. Un petit mot de la fin, je te laisse choisir ce que tu veux. Quoi. Ah là tu vas piller, attends, reviens à moi. déjà les supporters, continuez à nous supporter, c'est bien, et espérons la Ligue l'année prochaine.